Vous avez vu beaucoup de déchets tactiques? Au contraire. C'est un match tactique, très tactique même. Les deux équipes se sont affrontées tactiquement. Il n'y avait pas beaucoup d'occasions. C'est pour cela que les deux coachs, ça se voit qu'ils sont préparés tactiquement. On a très bien joué tous les deux équipes. Je remercie l'équipe adversaire qui a fait un très bon match. Nous aussi, on a très bien joué. Dans ces matchs-là, il ne faut pas se précipiter. Il ne faut pas être rapide pour marquer. Même on peut rester bon pour les 90 minutes. On peut marquer 90 minutes. Et même au penalty, on s'est qualifié, non? Les supporters, ils étaient toujours avec nous. Ils étaient toujours avec nous. Ils nous poussent. Ils ont raison. Chaque supporter, il a raison. Il aime voir son club au niveau, là, en finale, en Ligue 2. Moi, je le remercie. On espère de gagner, Inch'Allah. On va aller en finale. Je n'ai pas prévu le tour au but. Moi, je prévis gagner le match dans 90 minutes. Voyez comment on a eu les occasions que les enfants n'ont pas concrétisées. Alors, c'est à partir de ce moment-là que j'ai vu que ça n'a pas marché. Mais en deuxième mi-temps, j'avais prévu qu'il y ait au moins qu'on puisse se marquer et forcer à ce qu'il y ait le deuxième but. Mais ce n'est pas arrivé. C'est ça, c'est la loi du sport. Alors, voyez, le tir au but s'est présenté comme bon. Ce n'est pas ce que moi-même j'entendais, mais ce qui est arrivé, bon, c'est le football, hein, ce qui est arrivé. Alors, il y a eu le tir au but, je n'ai pas eu la chance, parce que le tir au but, ça dépend de la chance. Pour la compétition ici, j'ai appris comme c'était la toute première fois, j'ai vu qu'il fallait maintenant, pour l'année prochaine, je sais que ce que je vais faire, je vais voir, il fallait réaménager encore l'équipe, pour avoir encore d'autres gens qui je pourrais avancer avec eux.